Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Premier match de ce mercredi, 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Manchester City reçoit l'équipe du Sporting. Clairement, c'est l'un des grands favoris de la compétition. En quête de leur premier titre en C1, les Citizens ont terminé en tête de leur poule devant le PSG, Leipzig et Bruges. Et pour les 8e de finale, lors du match aller, les Sky Blues n'ont pas fait les choses à moitié avec un succès au Portugal, 5-0. Alors c'est sûr, avec un score pareil, City est déjà quasiment assuré de disputer les quarts de finale, mais je pense tout de même qu'ils joueront ce match retour de la meilleure des façons en respectant le Sporting. Et côté forme, les hommes de Guardiola sont toujours leaders de Premier League devant Liverpool et restent ce week-end sur une belle victoire lors du derby contre United, 4-1. Mon point de vue, clairement City est largement favori pour ce match, ils ont écrasé le Sporting à l'aller 5-0, ils sont leaders de Premier League. Ils restent également sur un gros succès 4-1 en championnat et selon moi, ils devraient encore une fois dérouler contre les Portugais, 3-0. Second match, on a ici le choc de ce mercredi, le match retour que tout le monde attend. Le Paris Saint-Germain, après sa victoire 1-0 lors du match aller, se déplace au Real Madrid. Rien n'est encore joué pour la qualification, surtout qu'en ce moment, Paris n'est pas au top de sa forme, avec notamment deux revers en Ligue 1 sur la pelouse de Nantes et sur celle de Nice ce week-end, 1-0. Mais là, c'est la Ligue des Champions, l'objectif ultime du PSG. Est-ce enfin l'année où ils pourront soulever ce trophée que le Real, de son côté, a déjà remporté à 13 reprises ? Mon point de vue pour ce match, on a ici une grosse affiche en perspective entre d'un côté le leader de Ligue 1 et de l'autre côté le leader de Liga. Et selon moi, sur ce match retour, je pense que le Real pourrait s'imposer 1-0, ce qui donnerait lieu à des prolongations et peut-être à des tirs au but. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao !